Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas fans des signaux de trading sur Telegram et sont plutôt pour les simples investissements en ligne, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant toute chose, gardez à l'esprit que même si ça rapporte les investissements en ligne, ça reste quand même un risque. Donc, soyez prêt à investir ce que vous êtes prêt à perdre. Mais bon, en disant ça, je pense que je ne vous apprends rien de nouveau. Pour toute chose, cette plateforme n'est pas une plateforme de paris ou encore des plateformes où on va miser, non. Tout ce que vous auriez à faire, c'est juste d'investir sur la plateforme et de revenir chaque 24 heures pour récupérer ses intérêts. Maintenant, comment se procède l'investissement sur la plateforme? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et comme toute chose, vous aurez besoin d'un compte que vous devrez créer grâce au lien qui sera dans la description. Là, actuellement, je vais me déconnecter pour vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme. En cliquant sur le lien qui sera dans la description, vous allez tomber sur une interface comme ça où vous allez insérer votre email ici avec votre mot de passe. Vous allez confirmer le mot de passe et là, ici, vous allez insérer votre mot de passe de transaction. Ok, vous allez confirmer le mot de passe de transaction comme d'habitude et vous allez cliquer sur register juste là. Jusque là, je pense que tout est clair. Donc, on va se retrouver dans mon compte et je vais vous montrer comment on va se procéder pour la suite. Ok, voilà. Maintenant, une fois connecté, bon, vous allez closer. Ok, en cliquant sur close. Fermé, je veux dire. Et maintenant, au niveau de mine ici, je veux dire, oui, voilà, vous allez venir ici et vous allez voir votre compte qui va s'afficher juste ici avec quelques prémontants pour l'enregistrement réussi. Pour tout ce qui sera transaction, voilà les deux options ici, le retrait et le dépôt. Ok, donc on peut venir au niveau de recharge ici pour recharger votre compte. Ok, ou vous allez voir le code QR ici que vous pouvez scanner. Ou encore copier juste ici, comme d'habitude. Je pense que là aussi, je ne vous apprends rien. Donc, il suffit juste de cliquer sur copy pour envoyer les USDT TRC20 que vous allez envoyer sur votre compte. Maintenant, une fois que votre compte est rechargé, vous allez venir ici, juste en bas au niveau de Quantify. Voilà, vous allez venir là-bas. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Il ne suffit pas de déposer juste de l'argent sur la plateforme. Vous avez vu, il y a le fingerprint ou bon, l'empreinte digitale si vous désirez. C'est sur ça que va se jouer l'investissement. Ok, pas l'investissement, mais la récupération de l'intérêt chaque 24 heures. Ok, maintenant pour activer votre investissement, ok, vous allez venir ici, soit vous allez choisir le VIP 1 par exemple ou le VIP 2, 3, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Oui, ça va jusqu'en bas, ça va jusqu'à VIP 10. Ok, mais bon. On va se focaliser sur le VIP 1 juste ici. Voilà. Et nous allons cliquer maintenant sur Click to Unlock. OK. À chaque instant que nous allons cliquer sur ça, si notre compte est inférieur au budget requis, bon, vous allez voir que ça va sortir. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Balance not enough. Please recharge 47. Excusez-moi pour l'accent, mais bon, vous devrez recharger 47$ afin d'activer le VIP 2, comme vous pouvez le voir, parce que c'est le montant qui est ici, 97 USDT. Et le contrat d'investissement se déroule sur 60 jours, comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, ici, j'ai besoin de 50$. Donc j'ai 50$ sur mon compte, comme vous pouvez le voir au tout début de cette vidéo. Pareil ici, ça couvre 60 jours. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ça. OK. Je vais cliquer sur Click to Unlock. OK. Et je vais essayer de confirmer en cliquant sur Confirm juste là. Voilà. Donc, je viens de débloquer mon VIP 1, comme vous pouvez le voir ici. Et en même temps, vous pouvez voir que ici, ça s'est augmenté de 1. OK. Donc, 0 sur 1. Donc, je dois cliquer sur ça. Comme je l'avais dit, c'est sur ça se joue l'investissement. Donc, je vais cliquer sur l'empreinte. Voilà. Donc, ça va essayer de faire les opérations. Et une fois les opérations finies, j'aurai l'intérêt en même temps. Et ici, voilà, vous allez voir le timer ou le décompteur. Voilà. Donc, voilà, je vais cliquer sur ça. Donc, vous allez voir le décompteur. Donc, je vais essayer d'attendre à ce que ce décompteur soit à plat pour que je revienne. Et je clique encore à nouveau sur le fingerprint là. Voilà. Vous allez voir que j'avais dit 24 heures après, mais actuellement, ça tourne autour de 19 heures. Mais c'est pas grave. Le troisième investissement, parce que j'avais déjà utilisé cette plateforme avec un autre compte. OK. Vous allez voir que la troisième fois que vous allez faire, bon, ce sera toujours les 24 heures après. OK. Chaque 24 heures. Donc, vous allez retirer entre 2 et 3$. OK. Tout dépendra de VIP que vous allez, vous avez opté pour. Revenons au niveau de Mi. OK, voilà, revenons au niveau de Mi. Et ici, comme vous pouvez le voir, le profit que vous avez fait sur la plateforme, OK,
Voilà, vous allez, vous êtes capable de retirer ce profit en venant dans la partie de withdraw qui est juste ici. Ok, donc voilà, vous pouvez venir ici et insérer votre adresse de réception USDT TRC20, votre montant, votre rappelez-vous votre code de transaction que vous allez insérer juste là et après confirmer. Tout court, c'est très simple. Comme je l'avais dit, j'avais déjà utilisé cette plateforme avec un autre compte. Vous pouvez voir, j'ai reçu les sommes de 2,72 et 2,59. Ok, voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais retourner sur la plateforme. Ok. Et pour vous prouver que c'est vrai, bon, je vais essayer de refaire le retrait. Je ne veux pas faire le retrait avec ce compte en même temps, mais quand même, je vais vous le faire dans cette vidéo. Donc, je clique sur Withdraw. Je vais essayer de mettre mon adresse ici, comme d'hab. Donc, je vais remplir les champs. Et voilà, une fois que les champs remplis, bon, je dois cliquer sur Confirm. Ok, donc je vais cliquer sur ça. Et voilà, maintenant, je vais attendre un peu Withdraw Success. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux sortir et revenir, comme je l'avais dit, en calculant les 19 heures qui vont passer. Bon, je reviens sur la plateforme et je clique encore à nouveau sur le fingerprint. Ok, je pense que c'est venu même déjà. Voilà. Donc, bon, on peut toujours... Voilà, c'est ça. Donc, je sors, je reviens sur la plateforme et je peux inviter aussi des amis en cliquant sur Invite Friends. Voilà, et je peux soit leur permettre de scanner le code QR juste ici, mais ce sera plus facile de copier votre lien d'invitation. Ok, en cliquant sur l'icône ici, donc vous pouvez copier ça et partager ça à vos amis. Les amis, c'est une plateforme sur laquelle je me suis tombé. Donc, vous pouvez toujours contacter aussi leur support en cliquant sur help là, voilà, et essaie de voir leur service ici, de leur demander, bon, comme support, voilà, des supports de chaque plateforme ou carrément leur chaîne Telegram. Et nous, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, peace.